Comment respecter le jardin secret de ceux que l'on aime tout en voulant les protéger? Alors, il est très important de respecter ce que l'autre veut dire et surtout ce que l'autre ne veut pas dire. Et si quelqu'un a donné un secret, ce qui montre une confiance vraiment très importante, il est fondamental de ne pas aller le raconter. Et précisément, docteur Gavard, pourquoi quand on est trahi, quand quelqu'un confie notre secret à quelqu'un d'autre, pourquoi ça fait si mal? Ça fait mal parce que on a tous un jardin secret et s'il y a une petite partie qui a été levée au niveau d'un ami, on n'a pas du tout envie d'être dévoilé sur la place publique. C'est-à-dire qu'il y a une intrusion dans son intimité qui pourrait presque faire penser à un viol psychologique. Et donc, ça fait extrêmement mal parce que d'abord, on ne peut plus avoir confiance en la personne en question et notre partie intime que l'on voulait cacher est révélée. Donc, il y a une protection qui est abolie et une crainte qui s'installe.